J'ai vraiment une tête bizarre aujourd'hui. Enfin bref. Hello Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on est le samedi 13 mai. Il fait un temps mais de merde, vraiment. Il y a un orage horrible avec beaucoup de pluie. Donc j'espère que tu vas m'entendre dans cette vidéo. Aujourd'hui je te tourne un petit book haul. Aujourd'hui... à peu près, on est au milieu du mois de la fantasy. Je vous prépare une vidéo assez longue. C'est un mois de la fantasy absolument catastrophique. Je vous préviens d'avance. Mais du coup, il y aura une vidéo fin mai, début juin. Voilà. Peut-être plutôt début juin, le temps de la montée, etc. Sur le mois de la fantasy, en mode vlog, comme d'habitude. Mais du coup, sur un mois, je suis méga contente de vous faire cette vidéo. Je suis méga contente de participer au mois de la fantasy. Mais il faut être honnête avec soi-même. Et vraiment, je suis nulle. Genre, je ne fais aucune performance de lecture. Genre, vraiment, il n'y a rien. Rien. Je sais pas, j'arrive pas, bref, vous saurez tout dans le vlog, mais j'arrive pas à avancer dans ce livre. Pourtant j'aime bien, mais je suis trop fatiguée, et en fait c'est quand même une grosse brique. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu encore avant de lire. J'aurais dû attendre de retrouver un rythme un petit peu plus normal de lecture. Du coup ça me coupe un peu dans mon évolution, du coup c'est dommage. Bref, passons, vous verrez ça dans le vlog du mois de la fantasy. Aujourd'hui je vous fais un petit book haul. Du coup il n'y a pas grand chose, mais je me suis dit ça peut être chouette, voilà, un petit rendez-vous, voilà, coupure pour moi dans le mois de la fantasy et tout le reste, voilà. J'ai quelques mangas à vous présenter et deux romans que j'ai trouvés sur Vinted. Voilà, Vinted est votre meilleur ami quand vous cherchez des livres d'occasion. Surtout quand c'est des titres précis, voilà, donc ça c'est très très chouette. Je cherchais vraiment ces romans. C'est une suite de saga et je vais vous montrer ça de suite. Ils sont là. C'est les tomes 6 et 7 de L'Épouvanteur. Alors, je suis... juste un tout petit peu deg dans le sens où c'est pas le même format que les autres. Bon après c'est pas grave, je suis pas hyper carrée sur ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, ils sont plus petits ceux-là. Enfin genre c'est super étrange, c'est pas le... je sais pas, il y a dû avoir des rééditions et du coup pas dans les mêmes tailles. Mais du coup ça se voit pas au niveau des couvertures et du coup je l'ai pas vu sur Vinted, donc bah tant pis, c'est pas grave, je les ai eu pour pas très cher en plus sur la boutique d'une seule et même personne. Ils sont pas neufs, voilà, ils sont un peu abîmés, mais je suis très contente. Il y a pas longtemps j'ai lu le tome 5 et du coup vraiment voilà, c'est une saga que je sais avec 13 tomes, voilà, plus du coup la saga, la nouvelle saga qu'ils ont inclus, genre bref, une trilogie je crois. Du coup ça va jusqu'au tome... non, je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, il y a une seconde saga qui a été intégrée directement à L'Épouvanteur, alors qu'en vérité, en version originale, c'est une autre saga. Donc voilà, je reste sur le fait que dans langue originale, du coup, en anglais, il y a que 13 tomes. Donc voilà, j'en arrive presque au milieu. Donc je suis joie. C'est une saga que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis assez contente du coup de me dire que bah voilà, j'avance. Contrairement à des sagas que j'ai commencé il y a 1000 ans. Et il me reste genre un tome et je ne l'ai jamais lu et je me rappelle plus du début. Donc voilà. D'où le fait que sur Livradic j'ai genre 30 sagas commencées. Genre c'est une catastrophe vraiment que j'avance dans mes sagas. Donc voilà, c'est j'avance. J'avance. Et alors ensuite j'ai emprunté à ma petite sœur. Mince. Mais non, je crois que celui-là je vous l'ai déjà montré. Non, je crois que je vous l'ai déjà montré. Le tome 3 de Lonely World. Je sais plus si je vous l'ai montré. Bon, en tout cas voilà, j'ai piqué ça à ma petite sœur. J'avais déjà lu le tome 1 et 2. Et du coup je lui ai rendu les 3 premiers tomes et je lui ai pris les suivants, les 4 suivants du tome 4, 5, 6, 7. Du coup, tome de Deep Sea Aquarium Magmel de Kiyomi Sugishita. Donc voilà les magnifiques couvertures.
Hop. Voilà. C'est magnifique. JPP. Vraiment. J'ai trop hâte de lire la suite de ce manga. C'est une saga que je connaissais de nom. Et vu que ma sœur les avait, je lui ai piqué. C'est une saga qui me tentait depuis très longtemps. Mais voilà, le temps passe et puis je les ai jamais achetés. Et puis j'ai tellement de sagas en cours que voilà. Et au final, bah, du coup, j'ai pu les emprunter à ma petite sœur. Donc voilà, j'ai adoré, mais vraiment adoré les 3 premiers tomes, genre vraiment pépite. Donc voilà, je lui ai emprunté la suite. Je suis même pas sûre qu'elle ait encore les suivants. Je crois qu'elle m'a prêté tout ce qu'elle avait du coup. Donc je vais les lire assez vite et en tout cas, bah, je vous tiendrai au courant. Voilà. Du coup, voilà, j'avais pas grand chose à vous présenter. Je sais que ça va être une vidéo très très courte, mais je me dis bah, que c'est pas grave. Je vais pas faire genre d'avoir mis le truc à vous présenter alors que c'est pas le cas. Je me suis dit que ça ferait voilà, une petite pause voilà, pour pas que vous ayez non plus zéro vidéo. Et vu que j'avais ça à vous présenter, bref, voilà. Donc bah, n'hésitez pas à me dire vous comment se passe votre mois de la fantaisie, même si ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo-ci. Dites-moi quels ont été vos petits achats des derniers temps, si jamais vous en avez fait, ou vos emprunts, ou voilà, tous les livres que vous allez lire bientôt. Ça m'intéresse de ouf et bah moi c'est cela que je vais lire ces prochains temps. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt bah, techniquement pour le vlog de la fantaisie, du mois de la fantaisie, et souhaitez-moi bonne chance, vraiment je galère, souhaitez-moi bonne chance s'il vous plaît. Allez, bisous.